Bonjour frères et sœurs, nous bénissons le Seigneur encore en ce jour de ce qu'il nous a donné l'opportunité de nous retrouver encore pour un enseignement biblique. Juste avant l'enseignement, je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. Nous te prions, Père chéri, de nous ouvrir les yeux spirituels afin que nous comprenions, Seigneur, ta parole. Aide-nous à saisir ta pensée, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour toutes les personnes qui vont suivre cet enseignement. Ouvre-leur, Seigneur, les yeux, afin que ces personnes connaissent et saisissent, mon Dieu Père, ta pensée et ta volonté. En ton nom, Jésus, nous avons prié. Amen. Voilà, donc au jour d'aujourd'hui, nous allons parler de l'apostasie et qui se propage à une vitesse vertigineuse dans nos églises actuellement. Alors nous allons faire une étude là-dessus pour voir de quelle sorte d'apostasie il s'agit-il. Alors prenons sans plus tarder le livre de Matthieu chapitre 24, verset 1er au verset 3. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent de lui pour lui en faire remarquer les constructions. Même il leur dit: Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Le verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Ici, nous avons au moins trois questions que les disciples vont poser à Jésus. La première. Quand cela arrivera-t-il? Quoi? C'est-à-dire la destruction du temple. Et la deuxième question, et la troisième, n'est-ce pas? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Le signe qui annonce l'avènement du Seigneur et aussi le signe de la fin du monde. Alors, bien évidemment, les disciples voulaient à tout prix connaître le moment exact où Jésus allait revenir pour pouvoir restaurer, n'est-ce pas, le pays d'Israël. Alors, comme ils ne connaissaient pas ce jour, ils vont demander au Seigneur de leur montrer un signe qui pouvait les alerter, les préparer au retour du Seigneur. Alors, tout de suite, dans le verset 4 de Matthieu 24, donc Matthieu 24 au verset 4, Jésus va leur répondre justement. Jésus leur répondit: Prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde que personne ne vous séduise. Verset 5. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant: C'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Donc, les disciples qui voulaient connaître le signe exact du retour de Jésus, n'est-ce pas? Ils vont poser la question: Seigneur, dis-nous. À quel signe connaîtra-t-on que tu reviens? Alors Jésus va tout de suite leur dire: prenez garde, n'est-ce pas? Avant de donner un signe, justement, ce signe tant attendu, Jésus va leur dire: prenez garde que personne ne vous séduise. Or, le verbe séduire ici en grec, c'est planao. Planao veut dire littéralement sortir du droit chemin, s'éloigner de la vérité. Ou littéralement l'apostasie. En fait, Jésus dit à ses disciples: prenez garde que personne ne vous fasse tomber dans l'apostasie. Parce que l'apostasie, c'est quoi? C'est l'abandon de la foi. C'est le fait de façon délibérée de sortir du droit chemin, n'est-ce pas? Et c'est aussi le fait de sortir du droit chemin de façon inconsciente, sans s'en rendre compte. On sort du droit chemin, on sort de la vérité. Alors Jésus va bien évidemment leur dire de faire attention parce que justement, beaucoup de gens, il dit, beaucoup de gens viendront sous mon nom et ils sortiront du droit chemin. Beaucoup de chrétiens, parce que bien évidemment, ce ne sont pas les païens qui vont être séduits parce qu'ils sont déjà dans la séduction. Ce sont ceux-là, n'est-ce pas, qui se réclament du Seigneur, qui se réclament de la Bible et qui se disent enfants de Dieu et qui vont malheureusement être séduits au point justement de sortir de la vérité et de tomber bien évidemment dans l'apostasie. Alors, c'est plusieurs qui viendront parce que le Seigneur nous dit que
plusieurs viendront sous mon nom. Alors, ces plusieurs-là, qui sont-ils? Et bien évidemment, Matthieu 24, le verset 11, nous donne la précision par rapport à ces personnes qui vont venir et qui vont séduire les gens. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Donc, c'est plusieurs qui viendront pour séduire les chrétiens. Il s'agit bien sûr des faux prophètes. Et dans Matthieu chapitre 7, au verset 15, le Seigneur dira: Méfiez-vous des faux prophètes, ils viennent en vous en vêtements des brebis, mais au fond d'eux, ce sont des loups ravisseurs, et vous le reconnaîtrez à leurs fruits. Alors bien évidemment, ces faux prophètes qui vont venir, parce que le Seigneur nous dit que plusieurs faux prophètes, il n'a pas dit quelques faux prophètes, il dit plusieurs faux prophètes s'élèveront. Alors le verbe s'élever ici, hein, le verbe s'élever, et en grec, c'est égéiro, et égéiro veut dire littéralement réveil. Jésus annonce un réveil mondial des faux prophètes juste avant l'enlèvement de l'Église, juste avant son retour visible pour restaurer Israël. Il annonce un réveil mondial des faux prophètes dont l'objectif est de séduire les chrétiens fidèles à la Bible, de les sortir de la vérité, bien évidemment pour les empêcher d'être enlevés avec le Seigneur, d'être sauvés. Alors, dans Matthieu 24, 24, le Seigneur continue. Bien évidemment, son développement par rapport à l'apostasie, qui est bien évidemment, qui va être mise en place par les faux prophètes, car il se levera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Alors ici, il va parler aussi d'une autre catégorie de personnes qui viendra, cette catégorie, bien sûr, pour séduire toujours les chrétiens. Il parle des faux prophètes et des faux Christ. Alors pourquoi les faux prophètes? Eh bien, vous savez que l'homme, d'après la parole de Dieu, a en lui la pensée de l'éternité. Ecclésiastes 3:11. Dieu a mis dans chaque homme la pensée de l'éternité. Alors là, l'homme est un adorateur. Il y a des faux, il y a des vrais. Tout homme est un adorateur. Alors, bien évidemment, les faux prophètes viendront parce que les hommes veulent connaître leur avenir. Alors, ils ont besoin d'entendre des belles paroles par rapport à leur avenir. Voilà pourquoi vous avez des médiums, vous avez des voyants dans le monde, et même les grands de ce monde vont les consulter. Parce que l'homme a besoin de connaître son avenir. Voilà pourquoi le diable va envoyer des faux prophètes. Et pourquoi des faux Christ? Est-ce qu'il faut comprendre aussi d'abord le rôle du Christ véritable, c'est quoi? D'après Luc chapitre 4, verset 16 à 20, le vrai Christ, qui est Jésus-Christ, a pour mission de libérer les gens de leur joug, d'apporter la solution aux problèmes des hommes. Voilà pourquoi le diable va envoyer des faux Christ, parce que le diable sait que les hommes ont besoin des solutions à leurs problèmes. Voilà pourquoi il va leur envoyer des faux Christ qui vont proposer à ces hommes des fausses solutions à leurs problèmes. Alors Jésus, n'est-ce pas, va répondre à la question de cet apôtre: Dis-nous, quel sera le signe de ton avènement? Et voilà que Jésus ici est en train justement de développer justement toute une série de choses, notamment sur l'apostasie, n'est-ce pas? Et on ne peut pas bien évidemment parler de l'apostasie sans parler des faux prophètes et des faux Christ, parce que ce sont eux qui vont introduire l'Église, malheureusement, beaucoup des chrétiens, dans l'apostasie. Donc, si on parle des faux prophètes, des faux Christ, on parle forcément des faux miracles, on parle forcément des fausses doctrines, bien sûr, parce que ces faux prophètes, ils sont à la base des fausses doctrines. Alors, parlons un peu justement de ces faux prophètes et ces fausses doctrines. Nous allons prendre justement le passage. Prenons d'abord le passage de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1er au verset 12. Alors, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 1er au verset 12. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas facilement vous laisser ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous comme si le jour du Seigneur était déjà là. Le verset 3, que personne ne vous séduise d'aucune manière. Vous voyez, c'est le verbe planao qui revient ici. C'est-à-dire que personne ne vous fasse tomber dans l'apostasie, que personne ne vous sorte de la vérité
Bien évidemment, le chemin qui mène au ciel, parce que Jésus est la vérité, Jésus est le chemin, il est aussi la vie. Donc que personne ne vous sorte du chemin qui mène au ciel, n'est-ce pas? Et que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Paul invite les Thessaloniciens ici, également nous autres, parce que bien évidemment les Thessaloniciens ici pensaient que la persécution dont ils faisaient l'objet, dont ils étaient l'objet, était un signe de l'établissement du règne de la bête. Ils croyaient que parce qu'ils étaient persécutés, Jésus était déjà venu et que l'Église avait été enlevée. Alors voilà pourquoi Paul veut leur écrire pour leur dire, justement, n'est-ce pas, avant que l'enlèvement ne puisse avoir lieu, avant que Jésus ne revienne pour établir le règne de 1000 ans, restaurer Israël en tant que nation, Paul dit, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. C'est une obligation. Voilà Paul qui va, n'est-ce pas, dans le même sens que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, dans le livre de Matthieu 24, le passage que nous avons lu, où Jésus disait à ses apôtres que plusieurs faux prophètes viendront. Il a parlé de l'apostasie Jésus. Donc Paul vient et il continue dans la même optique, dans la même lignée que le Seigneur Jésus-Christ, en disant aux chrétiens de Thessalonique, également à nous aujourd'hui, qu'avant l'enlèvement de l'Église, c'est-à-dire notre réunion avec Jésus, c'est l'enlèvement de l'Église, il dit, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu l'homme du péché qui va s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Et bien sûr, ici, le temple, c'est à la fois le temple à Jérusalem qui va être reconstruit et aussi l'Église, parce que 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16 nous dit que nous sommes, nous chrétiens, le temple du Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul dira que le diable va s'asseoir même dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu, et va chercher à recevoir l'adoration qui revient au véritable Dieu, Yahvé, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Et le diable va s'octroyer toutes les prérogatives divines de Dieu. Et il va chercher à s'accaparer la place de s'accaparer l'église, de l'église, à s'accaparer de l'adoration, justement. Il va s'asseoir dans le temple de Dieu. C'est ça l'apostasie. Alors bien évidemment, ne pensez pas que le diable va, de façon visible, avec ses cornes, comme souvent on le représente, s'installer dans les églises, parce que là, il sait personnellement que beaucoup de gens vont fuir. Alors il est tellement rusé, la Bible nous dit qu'il aime se déguiser. Donc, il va se déguiser justement, il va utiliser des hommes, il va mettre en place des systèmes, des méthodes pour pouvoir justement asseoir sa domination dans les églises. Et les gens vont croire adorer Dieu dans ces églises, mais en fait, Dieu n'est pas adoré, mais c'est le diable qui est adoré. L'apostasie, qui est un des signes de la fin de temps, un des signes de l'avènement du Seigneur qui annonce que Jésus. N'est-ce pas, n'est pas du tout loin. L'apostasie, l'abandon de la foi. Alors, dans le livre de 1 Timothée, justement, au chapitre 4, le verset 1er, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Vous vous rendez compte ici, l'apôtre Paul qui va continuer à développer son enseignement concernant la fin de temps, notamment l'apostasie, il dit que quelques-uns abandonneront la foi. Ça, il s'agit des chrétiens, bien sûr, qui vont de façon délibérée abandonner la foi. Mais quand on abandonne la vérité, quand on abandonne la foi, c'est-à-dire la saine doctrine, forcément, on s'attache à autre chose. Vous ne pouvez pas abandonner le péché sans vous attacher à la sanctification. Vous ne pouvez pas abandonner la sanctification sans vous attacher au péché, parce qu'il n'y a pas de juste milieu. Donc si vous abandonnez la foi, vous allez forcément vous attacher à des fausses doctrines et à des esprits séducteurs. Vous voyez, Jésus disait que personne ne vous séduise. Donc voilà que le diable va envoyer plusieurs esprits séducteurs
Parmi eux, vous avez les démons, vous avez aussi des faux prophètes et des faux Christ qui viennent avec des belles paroles pour pouvoir justement vous séduire. Alors, on abandonne la foi et on s'attache à des doctrines des démons, justement. Donc, l'apostasie, c'est quoi? L'apostasie, c'est justement, c'est l'abandon de la foi. Et quand on abandonne la foi, la sainte doctrine, la vérité, on s'attache à des doctrines des démons. Donc l'apostasie, c'est l'évangile, d'accord? L'apostasie égale la propagation des fausses doctrines. L'apostasie égale l'abandon de la foi pour s'attacher à des fausses doctrines. L'apostasie égale l'évangile de l'enfer, l'évangile des démons, l'évangile satanique, diabolique. Et quand on parle des doctrines des démons, eh bien, c'est quoi cette doctrine-là? Eh bien, nous allons, au travers de cet enseignement, justement, essayer de comprendre un peu ce que c'est l'apostasie, mais sous un angle différent, n'est-ce pas? En parlant justement des doctrines des démons dans lesquels nous sommes et auxquels nous sommes attachés et qu'on défend nuit et jour depuis des années, depuis des millénaires. Voilà l'apostasie. Alors, comprenons, bien évidemment, nous allons parler par rapport à ces doctrines de démons. Parlons d'abord justement de la suprématie du pasteur dans nos églises. Frères et sœurs, vous qui me suivez, ouvrez grandement vos oreilles. Vous ne verrez dans aucune église primitive, vérifiez dans vos Bibles, vous ne verrez aucune église biblique être dirigée par un homme qu'on appelle le pasteur ou par une seule personne qu'on appelle prophète évangéliste. Vérifiez dans vos Bibles. Je dis vérifiez. Parce que nous sommes à la fin de temps. Nous parlons de l'apostasie. Nous parlons de l'apostasie qui signifie les doctrines des démons, la propagation des doctrines des démons, l'abandon de la vérité pour s'attacher à des doctrines des démons. Alors, commençons à parler des doctrines des démons, justement. Et nous commençons d'abord par parler de la fonction pastorale et du ministère pastoral. Vous verrez que la plupart des églises dans lesquelles vous êtes, à la tête de ces églises-là, il y a un seul homme qu'on appelle le pasteur. Alors, vous vérifiez dans vos Bibles, vous verrez qu'aucune église dans la Bible n'était dirigée par un pasteur. Seul. Et vous verrez que c'est seulement dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, où on nous parle du ministère pastoral. Et encore là, le mot pasteur est au pluriel et non au singulier. Et il y a plus de 80 mentions du ministère ou de la fonction apostolique. Et pourtant, la plupart de nos églises se tournent autour d'un seul homme, le pasteur. Alors, vérifiez dans la Bible, vous verrez que ce n'est pas le cas. Toutes les églises bibliques étaient fondées, bien évidemment, par les apôtres. Et les gens qui dirigeaient ces églises, c'était les anciens qui travaillaient en équipe. Vous lisez les actes des apôtres, vous lisez les épîtres. C'était soit les anciens ou soit les équipes des ministères, comme dans l'église d'Antioche, dans Actes chapitre 13, où on voit que dans cette église, il y avait des apôtres, des prophètes et des docteurs. Bien évidemment, il y avait aussi des apôtres, tels que Paul et Barnabas. Alors, d'où vient qu'aujourd'hui la plupart de nos églises tournent autour d'un seul homme, le pasteur, qui a fait des études théologiques et qui a reçu la sainte ordination et qui a seul le droit de baptiser, de bénir les mariages, et encore là on verra ce que c'est le mariage biblique, d'enterrer les morts, de célébrer la communion, c'est-à-dire la Sainte Cène, de prêcher, de faire la cure d'âme, de visiter les malades et ainsi de suite, et de gérer aussi le bâtiment. Et vous verrez que la plupart de ces pasteurs aussi s'arrangent pour que leurs femmes aussi soient ordonnées ou consacrées pasteurs. Alors en tout cas, je n'ai pas vu ça dans ma Bible. Alors d'où ça vient? Ah ben, laissez-moi vous dire que ces choses-là, n'est-ce pas, nous viennent d'un homme qu'on appelait Ignace d'Antioche, qui était un des pères de l'Église, soi-disant. Et c'est lui qui a. Qu'est-ce que Ignace va faire? Donc, Ignace d'Antioche, il a vécu entre 35 et 107 après Jésus-Christ. Et c'est lui, Ignace d'Antioche, qui disait que l'évêque a la puissance ultime et devait être obéi absolument.
Il disait que personne ne doit faire quoi que ce soit sans l'évêque. Il disait également que l'évêque tient la place de Dieu, le vicaire de Christ, le substitut, le remplaçant, le remplaçant de Christ, celui qui est appelé à remplacer, le remplaçant de Jésus sur la terre. Voilà ce que Ignace disait dans ses écrits, que vous pouvez vous procurer partout. Et il disait que l'évêque tient la place de Dieu et il doit célébrer justement le repas du Seigneur, baptiser les gens, approuver les mariages, discipliner les membres, prêcher des sermons. Voilà ce que Ignace d'Antioche a commencé à faire. Il a commencé à élever un seul homme au-dessus de tous les autres. Voilà comment le pasteur va devenir l'homme à tout faire, n'est-ce pas? Et c'est Ignace d'Antioche qui a propulsé un seul homme au-dessus de toute l'assemblée locale. Et c'est à cause de lui que nous avons aujourd'hui le pasteur qui devient la tête de l'église locale, le socle sur lequel l'église est bâtie. Si tu enlèves le pasteur, toute l'assemblée s'écroule. Alors dans ce cas-là, l'église n'est plus bâtie sur Jésus, mais elle est bâtie sur un seul homme, le pasteur. Et bien évidemment, Ignace d'Antioche a préparé aussi le cléricalisme, c'est-à-dire la séparation entre ce pasteur et ses membres et les fidèles. Donc, voilà maintenant comment le christianisme va se paganiser, comment l'église de Jésus-Christ va devenir une église pyramidale à la tête des assemblées. Il y a des hommes qu'on appelle les pasteurs qui sont les têtes et qui travaillent seuls. Bien évidemment, ils sont souvent entourés de leurs épouses qu'ils ont consacrés, pasteurs, évangélistes, prophétesses. Du coup, l'église est devenue une église de papa, du papa et de la maman. Papa pasteur pour les Africains, maman pasteur également. Et pour les Européens, bien sûr, c'est l'homme et la femme qui dirigent l'église. Et on dit cela, on les appelle le couple pastoral. Voilà comment Ignace d'Antioche a préparé cette fausse doctrine, cette paganisation de l'église, justement, en mettant en place justement le pasteur qui devient la tête de l'église locale. Alors que toutes les églises bibliques étaient fondées par les apôtres, n'est-ce pas, en général. Et puis, les apôtres formaient les gens qui travaillaient en équipe, comme anciens, comme un ministère, d'Éphésiens 4, 11. Et ces hommes travaillaient ensemble au milieu du peuple. Ils n'étaient pas séparés du peuple. Donc, du coup, avec le cléricalisme, c'est-à-dire la séparation entre le clergé et les laïcs, eh bien, nous avons un homme qu'on appelle un empereur, l'empereur Constantin, qui a vécu vers le 4e siècle. Et c'est Constantin qui est le premier à employer les mots cléricalisme et ecclésiastique. Il estimait que le clergé chrétien méritait les mêmes privilèges que les fonctionnaires gouvernementaux de l'Empire romain. Voilà comment Constantin va propulser le prêtre, c'est-à-dire le clergé, n'est-ce pas, la tête de l'église locale. Il va le propulser au-dessus de tous les autres. Et le prêtre, le clergé, ne pouvait pas s'asseoir avec les membres. Et c'est Clément de Rome, qui était aussi un évêque, qui est le premier à employer le terme laïque, pour faire comprendre que le laïc, c'était en fait, des apprentis, des non-instruits, des gens qui n'avaient pas la connaissance, c'est-à-dire le peuple, quoi, qui ne pouvaient pas justement s'asseoir avec le clergé. Alors, voilà comment le christianisme s'est paganisé, cette fausse doctrine qui élève le pasteur au-dessus de l'assemblée, alors qu'on ne voit pas ça dans la Bible. Nulle part dans la Bible où on a vu la femme de Pierre, n'est-ce pas, consacré pasteur, nulle part où on a vu la femme de Jacques, la femme de Barnabas, et pourtant ces hommes étaient mariés, sauf Paul, on voit pas Paul, on voit Paul célibataire, mais sinon la plupart étaient mariés, mais nulle part on a vu où on a consacré leur femme pasteur. On voit Aquilas et Priscille qui travaillaient en tant que couple, mais ça c'est un cas exceptionnel. Mais malheureusement, aujourd'hui, dans la plupart des églises, que ce soit aux États-Unis, en Afrique, en France, en Europe, dans le monde entier, vous avez un homme et à sa femme à côté
comme étant aussi maman pasteur, femme du pasteur. Et si le pasteur voyage, c'est sa femme qui gère l'entreprise. Et si la femme du pasteur voyage, c'est son mari qui gère l'entreprise. Et si les deux voyagent, eh bien, c'est un cousin qui vient prêcher ou un de leurs fils. Ou si tout le monde voyage, ben c'est un ami qui font venir de l'extérieur, qui vient prêcher aux mêmes chrétiens depuis des années, les mêmes enseignements souvent. Et jamais on ne vous donne l'opportunité de pouvoir parler, de pouvoir partager la parole à vous qui êtes là assis comme des spectateurs. Voilà comment les choses s'organisent. Alors quand il y a eu la réforme avec Luther et Calvin au 15e siècle, 16e siècle, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Calvin et Luther n'aimaient pas le terme prêtre. Alors ils l'ont remplacé par prédicateur et pasteur. Alors Calvin et Luther vont confier au pasteur nouveau deux fonctions essentielles, la prédication et la célébration de l'Eucharistie, la Sainte-Cène. Alors bien évidemment, Calvin va rajouter une troisième fonction au pasteur, c'est-à-dire la cure des âmes. Donc la cure d'âme dans vos églises, là, c'est Calvin qui l'a créé, qui l'a mis en place. Alors voilà comment le pasteur nouveau dans l'église protestante va rentrer dans ses fonctions. Donc, et il va être un grand théologien parce qu'il fallait faire des études théologiques pour être ordonné pasteur. Et ce qu'il faut comprendre aussi, le pasteur en question, il ne peut pas exercer son ministère s'il n'est pas ordonné, bien sûr. Et pour les Africains, consacré au ministère. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au 4e siècle, la théologie et le ministère étaient un domaine réservé, privé, n'est-ce pas, des prêtres. Donc c'est un domaine privé, donc réservé aux prêtres. Et c'est l'ordination maintenant qui permettait à ces hommes de pouvoir exercer leur ministère. D'accord? Alors qu'est-ce qui va se passer? Ben, il y a un évêque, Augustin, il a vécu entre 293 et 373 après Jésus-Christ. Il enseignait que l'ordination conférait, n'est-ce pas? Il disait que l'ordination confère une impression indélébile sur le prêtre, n'est-ce pas? Et ce qui l'autorise à accomplir ses fonctions sacerdotales. Et il disait également que le prêtre ainsi ordonné devenait le ministre de la parole, n'est-ce pas? Et l'ordination conférait un pouvoir au prêtre. Et l'ordination, en fait, ils ont à cette époque imité l'ordination dans les temples grecs païens, romains païens. Comment les prêtres païens étaient ordonnés. Et ils ont imité cette ordination, ils l'ont introduite dans l'église. Voilà pourquoi la plupart des églises ont des pasteurs ordonnés, c'est-à-dire si tu n'es pas ordonné avec une cérémonie pompeuse, c'est-à-dire une bonne soutane, une huile d'onction, spécialement aussi pour les uns qui viennent d'Israël, eh s'il n'y a pas cette ordination, consécration, publiquement, eh bien, l'homme pasteur ne peut pas accepter de servir le Seigneur fidèlement, efficacement, et même les chrétiens ne vont pas le reconnaître comme un pasteur. Donc, c'est l'ordination qui fait de l'homme le pasteur. Et voilà comment nous avons, les prêtres catholiques, les évêques catholiques ont inventé l'ordination. Et vous avez dans beaucoup d'églises actuellement des pasteurs qui, après avoir fait des études théologiques, il y en a, ils ne font même pas d'études, ils se réveillent un beau matin comme ça, et puis ils commencent les églises avec 3-4 membres, et puis quand l'église atteint 15-20 personnes, maintenant ils vont s'organiser pour qu'ils soient ordonnés. Alors bien évidemment, pour cela, ils vont faire venir leurs copains, soit des États-Unis, qui sont des archibishops, des archipapes, avec des soutanes et des toges romaines. Ils vont venir avec l'huile d'onction. Et puis, ils vont leur imposer les mains, ils vont prophétiser sur eux, ils vont faire toute une cérémonie. Bien évidemment, il faut inviter ses amis collègues, ses collègues pasteurs de la région et sa famille. C'est comme si le pasteur se mariait. Voilà. Alors que dans la Bible, on n'a vu nulle part où on a parlé de l'ordination. Quand on voit dans Actes chapitre 14, verset 23, par exemple, en ce qui concerne la nomination des anciens, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit par rapport à cela? Et il est dit ceci. Ils désignèrent des anciens dans chaque église. Et après avoir prié et jeûné, ils le recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Le verbe désigner ici, en grec, ce verbe signifie littéralement voter en élevant la main, nommer ou désigner par vote quelqu'un qui doit avoir la charge d'une fonction ou d'un service. En fait, c'est l'église. Le verbe est désigné dans Actes 14, 23.
En grec, ce verbe signifie littéralement voter en élevant la main. C'est l'assemblée, c'est les chrétiens qui votaient les anciens. Les anciens n'étaient pas imposés aux chrétiens par leur pasteur, par leur responsable, par leur conducteur. C'est les chrétiens eux-mêmes qui voyaient les fruits de ces hommes, qui reconnaissaient que tel frère remplit les fonctions de l'ancien. Parce que l'apôtre Paul dira même qu'il fallait que les anciens soient irréprochables. Comment voulez-vous savoir qu'un ancien, un frère est irréprochable si vous ne consultez pas l'Église? Parce que très souvent, ces hommes, ils sont fidèles avec leur pasteur, ils sont hypocrites, ils vont montrer un beau visage à leur pasteur parce qu'ils espèrent recevoir l'ordination, la consécration, mais c'est devant le peuple qu'ils vont manifester leur vraie nature. Alors, l'ordination n'est pas du tout biblique, c'est une invention humaine. Et l'ordination a commencé avec le concile de Nicée que l'empereur romain Constantin avait convoqué, où il y avait plus de 300 évêques catholiques. C'est là qu'ils ont décidé que pour être dans le ministère, il fallait recevoir la sainte ordination ou la consécration pour les Africains. Alors vous voyez que vos pasteurs qui vous consacrent au ministère, qui vous ordonnent avec des cérémonies comme pas poser avec des soutanes, ils ne se rendent même pas compte qu'ils travaillent comme des prêtres romains, grecs, dans des temples païens à l'époque. Donc voilà, ça, tout ça, là, toutes ces choses-là font partie de l'apostasie, frères et sœurs. Alors maintenant, le pasteur étant ordonné, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va maintenant commencer à, bien sûr, à vous donner le petit bout de pain qu'on appelle la Sainte Cène avec le petit verre de jus. La Sainte Cène, on dit, c'est ça le repas du Seigneur. Frères et sœurs, vous qui me suivez, donnez-moi un seul verset dans la Bible où vous avez vu les apôtres prendre un petit bout de pain avec un petit verre de jus comme on vous le donne dans vos églises par vos diacres ou vos anciens. Ce n'est pas dans ma Bible, en tout cas, ce n'est pas dans la Bible. Mais d'où vient aujourd'hui, dans la plupart des églises, on donne aux chrétiens le petit bout de pain avec un petit verre de jus. On dit c'est ça la Sainte Cène. Ah ben, lisons la parole de Dieu, frères et sœurs, pour savoir si la Sainte Cène qu'on vous donne dans vos églises est vraiment d'origine biblique ou pas. Alors prenez, bien sûr, la Sainte Cène est biblique, mais en tout cas pas le petit bout de pain qu'on vous donne là. Marc chapitre 14, verset 12 au verset 25. Le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent: Où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque? Et il envoya deux de ses disciples et leur dit: Allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. Où qu'il entre, dites au maître de la maison. Le maître dit: Où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête. C'est là que vous nous préparerez la Pâque. Les disciples partirent, arrivèrent à la ville et trouvèrent les choses comme il leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. Le soir, le verset 17 de Marc 14. Le soir étant arrivé, il l'arriva avec les douze. Le verset 18. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient. Ils étaient à table et ils étaient en train de manger. N'est-ce pas? Et le verset 22 nous dit, pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, prenez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Vous voyez que ici, Jésus envoie ses disciples pour lui préparer un endroit où il allait manger la Pâque. Et quand les disciples sont arrivés, ils ont trouvé une chambre haute meublée. Et le soir, nous dit la parole, Jésus est arrivé dans cette chambre. Ce n'était pas dans un grand bâtiment, mais dans une chambre meublée. Et il s'est mis à table, non avec une foule, mais avec les douze apôtres. Ils étaient en tout 13. Parce que la Sainte Cène, c'est un repas familial. Donc, ils étaient autour de la table. Et la Bible nous dit, pendant qu'ils étaient en train de manger, ils mangeaient quoi? Mais ils mangeaient l'agneau pascal. Ils mangeaient de la viande. De la vraie viande, de la bonne nourriture. Ils étaient à table en train de manger. Et pendant qu'ils mangeaient, Jésus va prendre du pain,
il va le rompre et il va leur donner à chacun. Est-ce que vous, quand on vous donne la Sainte-Cène, là, le petit bout de pain, là, est-ce que vous êtes à table? Est-ce que vous êtes en train de manger comme c'est écrit dans la Bible? Ou est-ce que vos pasteurs passent dans les rangs avec les anciens, les diacres, avec des plateaux, avec des petits bouts de verre remplis de jus de raisin pour les uns et vin pour les autres, avec le petit bout de pain, et vous devez le prendre religieusement? Il faut même pas parler parce qu'il ne faut pas que le corps du Seigneur soit embêté. N'est-ce pas? On entendrait même les mouches passer. Hein? On entendrait carrément une mouche survoler parce que tellement que c'est la religion. Mais est-ce que tout ça, c'est dans vos Bibles? Parce qu'il est écrit dans ma Bible ici, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Il y avait un vrai repas. Il y avait une vraie nourriture. Il y avait le symbole à côté. Et quand on va dans 1 Corinthiens chapitre 11, toujours à propos de la Sainte Cène, le repas du Seigneur, à partir du verset 20, 1 Corinthiens 11, 20 à 26. Donc lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas. Et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas de maison pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Car j'ai reçu, Seigneur, ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus-Christ, la nuit où il fut livré, prit du pain et, après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après le souper, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Après le souper, Jésus prit le pain. Pendant qu'il mangeait, à table, il y avait une bonne nourriture, une vraie nourriture. Il prend le pain, il va le rompre, il va le distribuer. Il mange. Et après la nourriture, après le repas, après le souper, nous dit la parole, Jésus va prendre maintenant une coupe et il va la faire passer à chacun. Ils vont boire dedans et il dira, cette coupe, n'est-ce pas? Et la nouvelle alliance, le sang de la nouvelle alliance. Est-ce que vous, quand on vous donne le petit bout de pain, quand on vous donne le petit verre de jus, est-ce que vous êtes assis autour d'une table? Est-ce que vous êtes en train de manger? Et ici, l'apôtre Paul était en train de reprendre les Corinthiens. Parce que quand ils se retrouvaient pour le repas du Seigneur, ils se mettaient à table, comme cela se faisait avec Jésus et ses apôtres, comme il a fait, comme ça se faisait dans l'Église primitive. Chacun amenait sa nourriture. Maintenant, les premiers chrétiens corinthiens qui sont arrivés à l'assemblée avec leur nourriture, au lieu d'attendre les autres, ils ont commencé à manger et à boire. Et les retardataires, quand ils sont arrivés, ils ont trouvé leurs frères et sœurs complètement ivres, complètement ils étaient complètement rassasiés et ils étaient blessés. Et par là qu'on comprend que quand les premiers chrétiens se retrouvaient pour le repas du Seigneur, chacun amenait sa nourriture. C'était une agape. Et puis, ils apprêtaient une table. Ils étaient autour de la table en question. Et il y avait le pain et le vin qui représentaient le corps et le sang de Jésus. Mais il y avait un vrai repas. Et ils prenaient ce repas avec le symbole ensemble. Et ils devaient s'examiner avant de prendre ce repas. Si quelqu'un était dans le péché, il ne fallait pas qu'il le prenne comme Paul le dira. Et ils se connaissaient parce que Paul dit, attendez-vous les uns les autres au verset 33. Ainsi, mes frères, dans 1 Corinthiens 11, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Donc, ils se connaissaient. Pendant qu'ils se retrouvaient dans ces agapes, si par exemple Jacques n'était pas encore arrivé, on devait l'attendre. Si Pierre n'était pas arrivé, on devait l'attendre. Ils se connaissaient. Le repas du Seigneur était un repas familial. Et quand on remonte à l'origine de ce repas, c'est-à-dire la scène, la Pâque du Seigneur dans Exode 12, l'agneau pascal devait être mangé dans chaque maison, dans chaque famille, pour marquer, n'est-ce pas, le caractère familial, privé de ce repas du Seigneur. Et les esclaves rachetés à prix d'argent pouvaient le manger, à condition qu'ils soient circoncis. C'est-à-dire, la circoncision pour nous aujourd'hui, c'est la conversion. Donc le repas du Seigneur, c'est un repas
qui nous fait rappeler, n'est-ce pas, la mort du Seigneur. Et qu'est-ce que la mort du Seigneur Jésus-Christ à la croix a produit chez nous? Eh bien, c'est la délivrance. Donc, le repas du Seigneur est un repas de délivrer du péché, n'est-ce pas? Et puis, le Seigneur dit qu'il ne boira plus de nouveau, il ne boira plus jamais ce fruit de la vigne jusqu'à l'instauration du royaume de Dieu. Donc, Jésus-Christ nous fait comprendre que dans le royaume de Dieu, la Sainte Seine sera de nouveau prise. Alors, en fait, Jésus se référait, il faisait allusion à Ésaïe chapitre 25, le verset 6. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents, plein de moelle, de vin vieux clarifié. Voilà, ici, on nous parle d'un vrai repas. Il y a de la viande. C'est ça le repas du Seigneur. Donc, si vous voulez faire le repas du Seigneur comme c'est écrit, eh bien, que chacun de vous amène son repas à l'assemblée. N'est-ce pas? Vous préparez votre repas, peu importe ce que vous pouvez préparer chez vous, et bien vous apportez ça à l'assemblée, et puis chacun amène son repas, vous apprêtez une table, vous allez vous asseoir autour d'une table, parce que vous vous connaissez, vous savez que telle marche dans la sanctification, telle marche dans la sanctification, et bien vous vous mettez autour de la table, vous avez le pain, n'est-ce pas, sans levain, vous avez le vin ou le jus de raisin, et bien vous mangez ce repas-là ensemble. Alors, d'où vient qu'aujourd'hui, dans nos églises, on nous donne le petit bout de pain avec un petit verre de jus distribué par, bien sûr, les diacres, le pasteur ou les anciens, ou encore quelqu'un que le pasteur, votre pasteur va désigner ce jour-là parce qu'il est de bonne humeur. Alors, ça vient du 4e siècle. Au 4e siècle, les termes repas du Seigneur et communion fraternelle ont été interdits. Et ils ont remplacé ce terme par le petit bout de pain, n'est-ce pas, et le petit verre de jus, qu'on appelle l'Eucharistie, n'est-ce pas, action de grâce. Et puis, au 4e siècle, lorsqu'ils ont remplacé le repas du Seigneur par le petit bout de pain, en fait, ce repas était devenu un rituel sacré qui devait être administré par une personne sacrée, c'est-à-dire le prêtre, qui était consacré à cet office. Alors qu'on voit dans le Nouveau Testament que les premiers chrétiens prenaient la Sainte Seine dans la joie, c'était un vrai repas. Et dans Actes chapitre 2, verset 46, la Bible nous dit qu'ils rompaient leur pain dans les maisons. C'est dans les maisons que les premiers chrétiens rompaient leur pain. Et ils prenaient ce repas du Seigneur avec joie, avec amour. Ils pouvaient passer toute une après-midi, toute une soirée pour prendre ce repas, pour se réjouir et se rappeler leur propre délivrance. Et pourtant, dans vos églises, le petit bout de pain qu'on vous donne, le petit bout de pain, laissez-moi vous dire, qu'on vous donne dans vos églises, n'est rien d'autre que le petit frère de l'hostie catholique. Vous savez, le petit bout de pain rond catholique, par sa rondeur, là, l'hostie, n'est rien d'autre que le dieu soleil égyptien. Et voilà comment on a introduit cette fausse doctrine dans l'église, et beaucoup d'églises, malheureusement, donnent à ses fidèles, beaucoup de pasteurs donnent à leurs chrétiens, leurs fidèles, le petit bout de pain là. Ça, c'est l'apostasie. C'est l'abandon de la foi. Nous avons abandonné le repas du Seigneur au profit du petit bout de pain qui n'est rien d'autre que le petit frère de l'hostie catholique. On a bien beau se moquer des catholiques, du catholicisme romain, mais nous-mêmes, sur le plan pratique, hein, fonctionnel, évangélique, nous ne sommes pas mieux que les catholiques. Voilà pourquoi il faut que nos églises soient réformées. Nous devons revenir à l'évangile véritable. Lorsqu'on vous parle du réveil, oui, il faut que le réveil vienne. Laissez-moi vous dire, le réveil, c'est quoi? Le réveil doit être le retour à la parole, doit être une prise de conscience. Nous devons nous rendre compte que nous avons enseigné des fausses doctrines, que nous avons introduit dans nos assemblées les fausses doctrines, les doctrines qui viennent de l'enfer. La suprématie du pasteur qui consacre sa femme aussi pasteur, l'ordination qui vient du concile de Nicée en 325, n'est-ce pas? Et puis le bout de pain qu'on vous donne là, la Sainte Seine que vous prenez religieusement. Et attention, si pendant que les anciens passent dans vos rangs pour vous donner le petit bout de pain et que vous avez le malheur de ne pas le prendre, alors votre pasteur va vous convoquer rapidement au bureau pour vous dire, vous n'avez pas pris le repas du Seigneur, c'est que vous êtes dans le péché. Voilà comment on met la condamnation sur les gens.
et comment nos églises sont malades. Alors bien sûr, vous avez vu que nous sommes dans l'apostasie, les églises sont dans l'apostasie, et il y a une autre apostasie, c'est-à-dire le mariage. Alors vous avez dans beaucoup d'églises, si vous n'êtes pas marié devant un pasteur, votre mariage n'est pas reconnu. On vous demande par exemple, si vous êtes marié, est-ce que vous êtes marié devant Dieu? Eh bien, devant Dieu, pour beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens, c'est devant l'homme de Dieu, le pasteur, qui devient en fait le vicaire, c'est-à-dire le remplaçant, le substitut de Jésus-Christ sur la terre. C'est lui qui, soi-disant, représente Dieu. Alors que la Bible nous dit que nous sommes tous chrétiens et nous sommes tous sacrificateurs, nous sommes tous ambassadeurs de Jésus sur la terre, n'est-ce pas? Nous sommes tous censés représenter le royaume de Dieu sur la terre. Eh bien, laissez-moi vous dire que dans la Bible, aucun mariage, que ce soit dans les Écritures, c'est-à-dire de Genèse à Malachie, ou dans Matthieu, de Matthieu à Apocalypse, de Genèse à Apocalypse, vous ne verrez aucun mariage être célébré par un rabbin, par un scribe, par un prêtre. Tous les mariages dans la Bible étaient célébrés par les familles. Et prenons le livre de 1 Corinthiens chapitre 7. Nous parlons de l'apostasie dans l'Église. Le verset est 36. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut. Il ne pèche point qu'on se marie. Mais celui qui a pris une ferme résolution sans contrainte avec l'exercice de sa propre volonté et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait mieux. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien et celui qui ne la marie pas fait mieux. Donc l'apôtre Paul nous montre ici que c'est les parents qui marient leurs enfants. Vous vous rendez compte, une femme va tomber enceinte. Elle va porter la grossesse pendant 9 mois, 9 mois de galère, de souffrance. Et des fois, elle va donner naissance à cet enfant dans des conditions difficiles. Et que voilà que cet enfant qui va atteindre l'âge du mariage, et vous allez voir un pasteur qui va débarquer costume et cravate, et qui va donner des instructions à cette jeune femme ou ce jeune homme sur son mariage, et lui imposer une femme ou un homme. Et également, lors de la fête, le pasteur va avoir sa table bien garnie, bien servie au dépourvu des parents qui ont, eux, souffert, n'est-ce pas? Voilà comment nous avons nous avons nous nous sommes déviés, nous avons dévié, nous avons cassé justement la parole de Dieu. Nous nous sommes apostasiés, n'est-ce pas? Et alors que dans la Bible, tous les mariages étaient une fête familiale parce que les parents qui ont souffert, les parents qui ont investi depuis des années dans la vie de leurs enfants, eh bien, le jour du mariage de leurs enfants, c'est leur récompense. Dieu les récompense par le mariage de leurs enfants. Alors, bien évidemment, dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, la parole nous dit ceci, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Donc, la parole de Dieu nous invite à honorer nos parents, selon le Seigneur, bien sûr. Alors, lors du mariage, justement, c'est les parents, vos parents, qui doivent être honorés, bien évidemment, parce que c'est eux qui ont souffert. Ce ne sont pas vos apôtres, vos pasteurs. Bien évidemment, nous pouvons souffrir concernant votre formation, mais nous ne devons pas, les pasteurs ne doivent pas prendre la place de vos parents. Vous voyez? Donc, le mariage est une fête familiale. Donc, vous voyez, au niveau de la famille, vous cherchez à ce que vos parents soient consentants, même s'ils s'opposent. Prenez le temps de la prière si vous êtes chrétien et que si Dieu approuve votre mariage, ne craignez pas parce que Dieu va disposer les cœurs de vos parents pour qu'ils puissent accepter votre mariage, votre union. Mais permettez à vos parents de pouvoir se réjouir hein, pendant votre mariage du fait qu'ils vous aient élevé, engendré, enfanté, élevé, investi, qu'ils aient investi dans votre vie. C'est leur fête à eux. Si vous lisez dans Jean chapitre 2, les noces de Cana. Jésus était invité comme les autres invités. Il y avait un responsable de ce mariage.
Et nulle part on n'a vu Jésus bénir ce mariage comme un prêtre, comme un pasteur. Le Seigneur était un invité. Donc, le mariage est une fête familiale. Une fois que vous avez eu le consentement de vos familles, bien évidemment, il faut maintenant aller devant le maire de la ville où vous êtes, hein, où vous habitez. Et nous voyons cela dans Romains chapitre 13, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité, fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est supérieur, hein, le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir ceux qui font le mal. Les magistrats ici, il ne s'agit pas, les autorités ici, il ne s'agit pas, bien évidemment, des pasteurs. Ce verset de Romains 13 a été, et souvent jusqu'à ce jour, mal interprété. On l'attribue aux apôtres, aux pasteurs, aux docteurs. Non, les autorités dont il s'agit ici n'ont rien à voir avec les autorités spirituelles. Les autorités dont il s'agit ici, la Bible précise, ce sont des magistrats. Le maire de votre ville est un magistrat. C'est le premier magistrat de la ville. Donc, vous devez aller devant lui. La Bible dit que le maire de ta ville, qui est un magistrat, est un serviteur de Dieu. Donc, si tu te maries devant le maire, ça veut dire que tu es marié devant Dieu. Parce que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Dieu n'est plus dans les bâtiments qu'on appelle église. Et Dieu n'est pas seulement représenté par ton pasteur. Si tu es chrétien et tu marches dans la crainte de Dieu, tu es enfant de Dieu. Et si tu es enfant de Dieu, eh bien, tu représentes aussi Dieu sur la terre. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit, chrétien. Donc, se marier devant Dieu égale se marier au sein de la famille et se marier devant le maire de sa ville. Vous me direz, mais oui, mais et nos pasteurs? Mais laissez-moi vous dire, nulle part dans la Bible où on a vu un pasteur bénir un mariage. Ça vient de la religion catholique, ça vient du monde. La Bible ne donne pas aux pasteurs cette responsabilité. Ils ont suffisamment de combats comme ça pour rajouter encore d'autres responsabilités. Ça, ce n'est pas dans la Bible. Vérifiez bien. Vous direz peut-être que je suis fou. Mais si je suis fou parce que j'aime la vérité, alors à Dieu soit la gloire. Mais si je suis fou parce que vous pensez que je suis fou, parce que je suis égaré, eh bien dans ce cas-là, prenez le temps de vérifier dans vos Bibles si ce que je vous enseigne est scripturaire et biblique ou pas. Nulle part dans la Bible où on a vu un pasteur bénir un mariage. Alors bien évidemment, beaucoup vont utiliser le passage de Hébreux 13, 4, que le mariage soit honoré de tous. Écoutez, tout cela. Et on n'en a pas parlé des pasteurs. Bien évidemment, il faut que tout le monde soit en paix. Mais je vais vous poser une question. Quand vous dites, oui, il faut se marier devant le Seigneur à l'église. Mais qui est l'église? Vous croyez qu'on va à l'église? On ne va pas à l'église. On ne va jamais à l'église. Comment voulez-vous aller à un endroit alors que cet endroit-là, c'est vous-même? Parce que la Bible dit que vous êtes l'église du Seigneur. L'église est une maison spirituelle. 1 Pierre chapitre 2, verset 5 nous dit que édifiez-vous pour former une maison spirituelle et non une maison de briques, de pierres mortes. Nous sommes l'église. Alors pendant votre mariage, si vous voulez qu'il y ait une prédication, il n'y a pas de problème, ce n'est pas un péché. Vous pouvez inviter, pas forcément votre pasteur pour prêcher. Vous-même, vous pouvez prêcher. Vos parents, s'ils sont chrétiens, peuvent prêcher. Une sœur que vous aimez peut prêcher. Et la bénédiction, mais le mariage est déjà une bénédiction. Le mariage, c'est Dieu qui l'a institué. C'est déjà une bénédiction. Comment voulez-vous bénir encore une bénédiction? Donc, voilà la simplicité de l'évangile. Nous voulons vous simplifier les choses. La parole est simple. C'est la religion qui a inventé ces choses-là. Voilà comment l'Église se retrouve dans l'apostasie. Le mariage n'est pas une fête religieuse. C'est une fête familiale. C'est l'homme qui marie sa fille. Et puis vous allez devant un maire, le maire de votre ville, pour, n'est-ce pas, déclarer votre union officiellement. Et puis là, c'est fini après. Pendant la fête, si vous voulez qu'il y ait une prédication, gloire à Dieu. Et puis, bien évidemment, à l'assemblée, on peut simplement vous présenter comme étant déjà marié. Une autre doctrine que l'on trouve pas dans la Bible, c'est la présentation des enfants au Seigneur. On se réfère à Luc chapitre 2. Et ce sont les pasteurs qui présentent les enfants, soi-disant, au Seigneur. Et encore là, parce qu'on nous a fait croire par la religion, à cause d'Ignace d'Antioche, que le pasteur est le vicaire de Christ.
le représentant de Dieu sur la terre. Et c'est lui qui a le droit de présenter les enfants au Seigneur. Et beaucoup de personnes pleurent, souffrent parce que leurs enfants n'ont pas été présentés soi-disant au Seigneur. Laissez-moi vous dire, prenons Luc chapitre 2, verset 21. Le huitième jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il ne soit conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, suivant ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur et pour offrir en sacrifice deux tourterelles ou deux jeunes pigeons, comme cela est écrit dans la loi de Moïse. C'est-à-dire, Marie, si vous allez dans Lévitique chapitre 12, la loi qui demandait aux Juifs de présenter leurs enfants au temple devant le Seigneur, parce que à cette époque, Dieu se manifestait dans le temple. Et dans Lévitique 12, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dit, lorsqu'une femme deviendra enceinte et qu'elle enfantera un fils, elle sera impure pendant 7 jours. Elle sera impure comme au temps de son indisposition menstruelle. Le huitième jour, l'enfant sera circoncis. Elle restera encore 33 jours à se purifier de son sang. Elle ne touchera aucune chose sainte et elle n'ira point au sanctuaire jusqu'à ce que le jour de sa purification soit accompli. » Donc quand Marie a accouché de Jésus-Christ, Marie ne s'est pas présentée au temple avant la fin des jours de sa purification. C'est-à-dire, d'après la loi de Lévitique 12, la loi de Moïse, Marie a dû attendre 33 jours pour pouvoir se purifier de son sang. Et 33 jours après, c'est-à-dire Jésus a été circoncis 8 jours après sa naissance, et 33 jours après, Marie s'est purifiée. Donc si vous faites 33 plus 8, vous avez 41. Donc Marie a dû attendre plus de 40 jours avant d'amener Jésus-Christ au temple. Et quand il s'agissait d'une fille, la femme devait attendre 14 jours, n'est-ce pas? Et plus 66 jours, donc plus de 80 jours avant de présenter l'enfant au temple. Donc, quand on vous dit que Jésus a été présenté au temple, vos pasteurs ne savent même pas qu'il a été présenté 40 jours après sa naissance. Marie était devenue sainte et elle était devenue pure, je dirais, parce qu'elle a offert, n'est-ce pas? Elle a attendu 40 jours pour pouvoir se purifier. Elle a offert 2 pigeons pour pouvoir être purifiée. Donc, maintenant, sous la nouvelle alliance, chrétien, suivez-moi très bien. Vous qui voulez à tout prix vos pasteurs présenter vos enfants au Seigneur, mais Dieu, il n'est plus dans les bâtiments. Jésus a dit à la femme samaritaine dans Jean 4, verset 23-24, l'heure vient et elle est déjà venue, où ce ne sera plus à Jérusalem ni dans les montagnes qu'il faut adorer le Père, car Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Donc Dieu n'est plus dans les bâtiments que les hommes ont construits. Et Paul le dit dans le livre de Actes des Apôtres, au chapitre 17, n'est-ce pas? Le verset 24, Paul dit ceci, on peut lire ce verset tous ensemble. Il dit, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Voilà. Donc, maintenant le temple, c'est qui? 1 Corinthiens 3, 16 nous dit quoi? Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Donc, et qui est le sacrificateur maintenant? Qui doit présenter ton enfant au Seigneur? Parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Eh bien, Apocalypse chapitre 1, verset 5 à 6 et Apocalypse 5, 8 à 10, ces deux versets nous disent que Jésus-Christ a fait de tous les chrétiens des rois et des sacrificateurs. Alors, si tu es sacrificateur, si tu es le temple de Dieu, pourquoi cherches-tu encore à ce que ton pasteur présente ton enfant au Seigneur? Parce que ton enfant, depuis le ventre, Dieu le connaissait, comme il a dit à Jérémie, avant ta naissance, je te connaissais, je t'avais déjà consacré, prophète des nations. Donc si vous avez des enfants, vous les parents, c'est à vous de les présenter au Seigneur, chez vous. Ce n'est pas le pasteur, nulle part dans la Bible où on a vu Paul présenter un enfant au Seigneur. Nulle part dans la Bible où on a vu Jacques présenter un enfant au Seigneur. C'était la loi. Jésus-Christ était né sous la loi, il a vécu sous la loi. Le livre de Galates chapitre 4 le dit au verset 4.
Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu envoya son fils, né d'une femme, né sous la loi. Voilà pourquoi Jésus s'est comporté en observateur de la loi. Parce qu'il était sous la loi. Mais quand il est mort et ressuscité, la loi a été accomplie. Et la parole nous dit dans Romains chapitre 10, verset 4, Christ est la fin de la loi. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, ni la dîme. D'ailleurs, on a vu dans d'autres cassettes que la dîme n'est pas d'actualité. La dîme était une pratique de la loi. Ni la dîme, ni la présentation des enfants au Seigneur par les pasteurs, ni le mariage béni par le pasteur, ni le petit bout de pain qu'on vous donne là, comme le corps du Seigneur. Toutes ces choses-là ont été inventées des hommes. C'est la religion, c'est la paganisation, c'est le monde dans l'Église. Voilà pourquoi Jésus disait justement que avant que je ne revienne, l'apostasie va s'installer. Prenez garde que personne ne vous sorte de la vérité. Alors, dans la plupart des assemblées, si vous rentrez, vous trouverez une équipe qu'on appelle l'équipe de protocole avec un beau sourire. Ils sont souvent habillés avec une tenue spéciale. Ils ont un sourire mécanique, ça ne vient même pas du cœur, n'est-ce pas? Et au protocole, on a donné 90% de l'amour de Dieu pour qu'il puisse le redistribuer aux autres. Alors que la parole de Dieu nous dit dans Romains chapitre 15, verset 7, accueillez-vous les uns les autres. Et dans Romains 16, 16, Paul dit aux chrétiens, faites-vous un saint baiser, saluez-vous par un saint baiser. Donc, nous sommes tous appelés à nous accueillir les uns les autres. Même vous, les docteurs, les enseignants, les prophètes, ne restez pas dans vos bureaux climatisés. Vous êtes appelés aussi à accueillir vos frères et sœurs. Nous sommes tous égaux. Et après, si vous rentrez, vous trouverez quelqu'un qu'on appelle modérateur chez les Africains ou président du culte. C'est lui qui a tous les plans, toute la pensée de l'esprit. Et il commence par vous dire, bénissons le Seigneur parce que nous sommes dans sa maison. Ça, c'est faux. Nous ne sommes pas dans sa maison. Sa maison, c'est nous qui sommes les chrétiens, le corps du Christ. Ce ne sont pas les bâtiments. Et puis, commence par vous dire, demandons pardon au Seigneur parce que nous sommes les pauvres pécheurs. On ne demande pas pardon à l'Assemblée des Saints. Matthieu 5, 23 nous dit que si vous allez présenter votre offrande à l'autel, et qu'en chemin vous vous rendez compte que votre frère a quelque chose contre vous, laissez votre offrande aller d'abord vous réconcilier. Et puis après, on invoque le sang de Jésus-Christ avec un petit cantique. Le modérateur souvent va dire, oui, on va prier pour que la salle soit inondée du sang de Jésus. Alors dedans, il y en a qui ne savent pas nager, qui vont se noyer. Et puis après, maintenant, on va invoquer le Saint-Esprit alors qu'on n'invoque pas le Saint-Esprit. Comment voulez-vous invoquer le Saint-Esprit alors que vous êtes scellés du Saint-Esprit? Éphésiens 1, 13, Éphésiens 4, 30 nous disent, ces deux versets nous disent que nous sommes scellés du Saint-Esprit depuis le jour de notre conversion. Mais pourquoi vous allez encore le chercher ici alors qu'il est déjà en vous? Et bien évidemment, il y a toujours une personne, en l'occurrence une sœur, qui est beaucoup plus sensible que les autres, qui va être utilisée comme un thermomètre spirituel. Elle va commencer à crier, à tomber au sol. Et là, le modérateur, le président du culte va se rassurer parce que le Saint-Esprit vient d'arriver. Et puis après, il va chauffer la salle pendant que le pasteur, comme un patron, est dans son bureau, avant de venir s'asseoir sur son fauteuil moelleux, en cuir, tandis que vous, les chrétiens, vous êtes assis sur des bancs ou sur des chaises tout à fait normales. Et puis, bien sûr, il y a le protocole qui doit servir le pasteur pendant la réunion. L'eau, du jus, tout ça, et vous n'avez jamais soif, bien sûr. Et puis après, le pasteur, une fois que le modérateur a chauffé la salle, et bien maintenant c'est la place à l'équipe de louange. Qu'est-ce que la parole nous dit par rapport à la louange, frères et sœurs? 1 Corinthiens 4, 14, verset 26, Paul dit, que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres ont-ils un cantique? Et dans Colossiens 3, 16, il dit quoi? Entretenez-vous. N'est-ce pas? Il dit, exhortez-vous et instruisez-vous par des cantiques, par des psaumes, par des hymnes. Et dans Éphésiens 5, 19, il dit quoi? Entretenez-vous par des psaumes. Là encore, c'est des verbes pronominaux qui parlent de la relation, de la réciprocité qu'il doit y avoir dans nos réunions. Dans la Bible, on n'a pas vu des groupes de louanges. On voit des chrétiens, chacun pouvait avoir un cantique. Pendant que vous vous assemblez, les uns ou les autres ont-ils un cantique? Mais essayez simplement dans vos églises d'avoir un cantique, d'entonner un chant. On va vous faire taire. On vous dira, vous n'êtes pas spécialiste de la louange. Taisez-vous. Où est la liberté en Christ? Mais c'est pour l'adoration que Dieu nous a sauvés. C'est pour l'adorer, c'est pour le servir dans l'adoration. Pourquoi sommes-nous aujourd'hui
Avons-nous laissé le soin au groupe de louanges de nous conduire, soi-disant, dans la présence du Seigneur? Vous me direz, mais oui, mais ils ont de belles voix. Mais oui, mais Dieu n'a pas besoin de belles voix pour être adoré. Dieu a besoin des cœurs. Dans les églises primitives, les chants d'adoration étaient une affaire de tous les membres. Et mais d'où vient qu'aujourd'hui nous avons les professionnels de la musique, les groupes de louanges? Eh bien, c'est à partir du 6e siècle. Le pape Grégoire le Grand, quand il est arrivé au pouvoir, il a réorganisé dans tout l'Empire romain des écoles de musique que le pape Sylvestre avant lui avait construites. Et puis, il va envoyer dans ces écoles, Grégoire le Grand, des personnes qui voulaient se former à la musique pendant 9 ans, au bout desquels on leur donnait des diplômes et envoyés, ils étaient envoyés dans les bâtiments de l'Église catholique et ils devaient mémoriser par cœur tous les chants chrétiens, d'où le célèbre chant grégorien. Voilà comment nous avons aujourd'hui dans nos églises des professionnels de la musique, de l'adoration. Sans eux, vous ne saurez pas comment adorer, comment prier, alors que Dieu veut aussi entendre votre voix. Et bien évidemment, il y en a qui ont la capacité, les facilités par rapport aux instruments, tout ça, à qui ont les belles voix, on ne le nie pas, mais à ces gens-là, nous leur disons, ils peuvent animer des concerts ici et là, aller évangéliser, ou sortir des albums, ou interpréter un ou deux chants, mais il ne faut pas que les groupes de musique, les groupes de louanges, monopolise tout le temps de l'adoration. Il faut que le culte soit un culte biblique, c'est-à-dire quand vous vous retrouvez, eh bien, vous devez vous taire, vous devez vous attendre au Seigneur. Quelqu'un peut avoir un cantique, les autres personnes l'accompagner. Quelqu'un d'autre peut avoir une révélation, comme Paul le dit. Quelqu'un d'autre peut avoir une instruction, tout ça, mantano en grec, qui veut dire enseignement. Et tout doit se faire pour l'édification de tout le corps. Mais malheureusement, avec les équipes de louanges, de protocoles, d'intercession, ben, les églises sont devenues des clubs de rencontres. On fait du théâtre, on fait du cinéma, on fait du cirque. Et nous sommes devenus comme des spectateurs. On va dans les assemblées comme des spectateurs. On va s'asseoir et on s'attend à ce que le groupe de louanges interprète tous les chants. Et souvent, ils vont veiller, ils vont chanter leurs cantiques, ils vont les répéter la veille. Et le dimanche matin, le jour du Seigneur, soi-disant, alors que c'est même pas le jour du Seigneur le dimanche, c'est tous les jours le jour du Seigneur, ils ont déjà à cœur, ils savent déjà le groupe de louanges à l'avance, tous les chants qu'ils vont chanter. Mais où sont les surprises du Saint-Esprit? Et malgré cela, nous nous disons quand même que nous sommes bibliques, nous sommes basés sur la Bible et conduits par l'Esprit. Mais quel Esprit? Même les démons savent par quel chant vous allez commencer et par quel chant vous allez finir. Alors vous comprenez pourquoi nos églises sont dans l'apostasie. Nous sommes dans l'apostasie totale. Alors, laissez-moi vous dire, frères et sœurs, vous qui aimez la vérité, il faut vraiment que nous puissions revenir à la Bible. Il faut qu'on revienne à la Bible, à la liberté des enfants de Dieu, que chacun peut avoir un cantique dans l'église. Vous vous rendez compte, pendant que vous adorez, même si vous n'êtes pas dans un groupe, Dieu peut vous mettre à cœur un cantique. Donc, il faut aussi qu'on vous laisse l'opportunité de pouvoir le chanter, de pouvoir l'interpréter. Peut-être que quand vous allez chanter ce cantique-là, quelqu'un va être guéri, touché, sauvé. Mais on a étouffé avec l'organisation de l'église qu'on a mis en place, une organisation complètement pyramidale, babylonienne, ben, on a étouffé l'exercice des ministères de tous les chrétiens. Il y a deux choses qui constituent le fondement de notre culte, de nos églises. Le sermon du pasteur et puis le groupe de louanges, la musique. Vous enlevez ces deux choses, les chrétiens dans nos églises ne sauront pas quoi faire. Et malgré cela, nous disons quand même que nous sommes bibliques. Bibliques. Et pour terminer, on a mis en place une autre équipe, les intercesseurs. Alors ceux-là, vous allez facilement les localiser parce qu'ils prient en langue souvent, ils marchent dans toute la salle. Alors que la Bible nous dit dans Actes chapitre 12, verset 5, Pierre était donc gardé en prison et l'Église ne cessait d'adresser à Dieu de prier pour lui. Et Pierre, Paul, tout ça nous invite à la prière, prier sans cesse. Hein? C'est les églises qui priaient, c'est l'église qui doit prier. Tous les chrétiens sont sacrificateurs chrétiens. Vous êtes tous sacrificateurs. Et quelle était la fonction d'un sacrificateur dans le temple? C'était la prière. Eh bien, votre fonction, c'est la prière. Nous sommes tous intercesseurs. Dieu peut effectivement mettre à cœur de quelqu'un, à deux ou trois personnes, un fardeau pour un pays, pour une église, pour un homme, oui. Mais ça ne fait pas de ces personnes-là. Cela ne fait pas de ces personnes des intercesseurs particuliers ou spéciaux. Nous sommes tous intercesseurs.
Alors, toutes ces équipes-là, si on les met à terre, eh bien, chaque chrétien va pouvoir exercer correctement son don. Vous comprenez l'apostasie? L'apostasie, c'est tout ça là aussi. Nos églises sont dans l'apostasie. Alors, comprenez bien que quand nous parlons de la réforme de l'église, beaucoup sont choqués. Chrétiens, je vous en prie, vérifiez dans vos Bibles ce qu'on vous enseigne. Vérifiez comme les Juifs de Béret dans Actes 17, 11. Examinez les Écritures. Jésus revient bientôt. Il y a l'apostasie dans nos églises. Il y a le mensonge. Des pasteurs prennent la place de Dieu. Des pasteurs qui couchent avec des femmes d'autrui. Des pasteurs qui divorcent, qui se remarient. Des pasteurs qui consacrent leurs femmes pasteurs. Des pasteurs qui donnent de fausses prophéties. Des pasteurs qui inventent toutes sortes de doctrines sataniques pour pouvoir manipuler les gens, voler les gens. Des pasteurs qui se donnent du matin au soir tout le temps costume, cravate, parce qu'on leur dit que c'est l'habit des pasteurs. Je suis désolé, Jésus n'avait pas un accoutrement spécial. Il faut être simple, pasteur. Nous devons nous repentir. Nous devons revenir à la Bible. Nous devons revenir à la parole de Dieu. Et je proclame, je prophétise que Jésus désormais sera glorifié dans les cœurs des chrétiens, dans nos églises. Et la vérité, vous ne pouvez pas la cacher, pasteur. Que vous le vouliez ou pas, la vérité va triompher. La vérité va délivrer le peuple de l'Éternel. Et dans Jean chapitre 8, verset 32, Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jésus n'a pas dit, vous connaîtrez un séminaire, vous irez à un séminaire ou vous irez à une croisade de miracles. Arrêtons de faire courir les chrétiens derrière les miracles. Les miracles accompagnent les chrétiens. Nous ne sommes pas là pour courir après les miracles. Nous, on s'en fout des miracles. Nous voulons voir Jésus et Jésus seul élevé, magnifié, adoré dans nos églises. Nous voulons dire aux gens que nous sommes dans le quatrième empire. Nous sommes dans l'Europe et l'Europe se prépare à accueillir l'homme impie. Le nouvel ordre mondial. Ouvrez vos yeux. Nous devons revenir à la Bible. Je vous dis que dans les jours à venir, la persécution va atteindre toutes les églises. On va obliger les églises à fédérer, à rentrer dans la Fédération protestante de France, à rentrer dans l'œcuménisme. Et si vous ne rentrez pas, on va fermer vos locaux. Alors préparez-vous à repartir dans les maisons. Arrêtez de tromper les gens en donnant des fausses prophéties, vous les prophètes, en disant aux gens qu'il va y avoir un réveil mondial, des miracles, des guérisons. Arrêtez de dire des mensonges au nom de l'Éternel. Il n'y aura pas ce réveil mondial des miracles, des guérisons. Il y aura un réveil mondial, oui, mais des faux prophètes et des fausses prophéties, des fausses doctrines. Et nous devons préparer l'Église à passer par la persécution parce que Dieu l'envoie cette persécution pour purifier son Église, pour la préparer à l'enlèvement, pour la préparer à son retour. Nous devons préparer les saints à passer par la persécution. Préparez vos maisons pour accueillir vos frères et sœurs. Préparez vos maisons pour accueillir des filles, des serviteurs de Dieu, des servants de l'Éternel. Préparez-vous à avoir des petits groupes dans vos maisons, car la persécution va commencer ici en France, en Allemagne, dans l'Europe. Vous devez vous préparer. Pasteur, répentez-vous. Répentez-vous de l'adultère. Répentez-vous de l'impudicité. Répentez-vous de l'impudicité. Repentez-vous du mensonge. Repentez-vous des fausses doctrines que vous avez, que nous avons introduites dans nos églises. Nous devons revenir à la Bible. La Bible est digne de confiance. Il faut que le culte biblique soit restauré, que les chrétiens comprennent qu'on ne va pas au culte, qu'on rend un culte à Dieu chez nous à la maison, comme Romains 12 le dit, comme Philippiens 3 le dit. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Nous devons prêcher. Continuez à prêcher la vérité. Vous, pasteurs qui prêchez la vérité, vous, évangélistes qui prêchez la vérité, vous, chrétiens qui aimez la vérité, continuez à dénoncer le péché. Continuez à dire aux gens que s'ils ne se repentent pas et qu'ils meurent dans le péché, dans l'homosexualité, dans le lesbianisme, dans le mensonge, la cupidité, ils iront en enfer. Continuez à dénoncer la sorcellerie. Continuez à prêcher la vérité. Même si vous restez 3, 4 personnes, ce n'est pas un problème. De toute façon, Dieu n'est pas le Dieu de la foule. Et Dieu est le Dieu du reste. Il faut que l'autel soit restauré, il faut que les églises soient réformées, il faut que la vérité soit touchée, soit proclamée dans toutes les églises. Sortez de Babylone, sortez de Babylone. Apocalypse 18, 4, Dieu dit, mon peuple, sortez du milieu de Babylone. L'église est dans la Babylone, sortez du milieu d'eux. Arrêtez de faire des programmes de miracles et guérisons. Paul n'a pas prêché des miracles. Pierre n'a pas prêché les miracles. Ils ont prêché Jésus. Ils ont glorifié Jésus. Ils n'avaient ni or ni argent. Mais ils disaient ce que nous avons, nous vous le donnons. Au nom de Jésus, soyez libérés. Mais vous faites des miracles, vous prêchez des miracles ici et là, vous prêchez sur l'onction. On s'en fout, on est fatigué de toutes ces bêtises.
On est fatigué que vos bâtiments deviennent des tombeaux blanchis dans lesquels vous emmagasinez les enfants de Dieu qui deviennent des morts vivants. Nous sommes fatigués de voir comment vous mettez l'accent sur des méga-churches, des églises, des bâtiments, des grandes, grandes églises numériquement parlant qui sont remplies de morts et de cadavres. Nous sommes fatigués de toutes ces offrandes que vous faites là, non pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. Au lieu de former des missionnaires, de libérer les missionnaires, vous faites, vous amenez les gens à rester dans vos bâtiments là comme des boîtes de sardines. Nous sommes fatigués de toutes ces choses-là. Dieu vous demandera des comptes. Dieu nous demandera des comptes. Alors, repentez-vous. Je dirai la vérité, même si ça vous choque. Dieu m'a dit de parler, de prêcher sa parole et je parlerai jusqu'à la fin de ma vie. Je dirai la vérité, je dirai toujours la vérité. Et mon objectif, ce n'est pas de dire aux gens, venez prier chez nous. Non, non, on n'est pas la véritable église. On n'est pas la seule vraie église. L'église corps du Christ est invisible. C'est à vous de prier Dieu pour que Dieu vous oriente là où la vérité est prêchée. Mais sortez des églises où vous voyez le pasteur, les pasteurs consacrent leur femme pasteur, où vous n'avez pas droit à la parole, où on ne vous forme pas pour vous aider à servir le Seigneur. Parce que parmi vous qui êtes assis dans ces églises, il y a des pasteurs, des apôtres, des prophètes. Vous devez être formés et travailler dans les églises. Vous pouvez aussi avoir des cantiques, même si vous n'êtes pas dans le groupe de louanges. Vous pouvez aussi intercéder parce que vous êtes intercesseurs tous. Vous pouvez aussi exercer le ministère que Dieu vous a donné dans la guérison. Arrêtez d'être toujours, depuis 15 ans, dans une même église, d'être des spectateurs. Arrêtez d'être spectateur. Il est temps que vous puissiez comprendre quel est votre appel, votre ministère, parce que Jésus vous demandera des comptes à la fin de temps. Ouvrez vos yeux, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la France, l'Europe et tous les pasteurs qui prêchent la vérité, tous les apôtres qui prêchent la vérité. Je crois que Dieu va susciter beaucoup d'apôtres et beaucoup de prophètes authentiques qui vont parler. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth.